productrice de maroilles fermier pour du maroilles, donc fromage d'appellation d'origine contrôlée. Et je suis en production fermière, c'est-à-dire que nous avons le troupeau de vaches que nous trayons et je transforme une partie de ce lait en maroilles. La première caractéristique du maroilles, c'est son odeur. Hein. Le premier contact que l'on a avec lui, on le sent, c'est puissant, c'est ammoniaqué, c'est assez violent presque. Et puis ensuite, par contre, quand on ouvre, là, on n'a plus du tout cette force, cette puissance, cette agressivité. On va tomber sur une pâte qui a des arômes de noisettes, des arômes fruités, de sous-bois, onctueuses, et qui font très facilement, qui se cuisinent très très bien. Eh bien, une bonne association peut se faire entre ces deux produits. Une bonne saucisse de morteau, cuite, découpée en tranches, qui va être disposée sur un plat. Et puis le maroilles, lui, va être fondu dans une casserole, un peu de crème liquide. On fait une belle crème que l'on va venir napper sur les tranches de saucisse. On peut en rajouter éventuellement un peu de confit d'oignon, quelques feuilles de salade. Et puis voilà, à déguster. Ah, juste une touche de poivre, un petit coup de moulin et c'est parfait. Le Nord-Pas-de-Calais, merci Claire de nous avoir ramené du maroilles que nous allons généreusement marier à la saucisse de morteau sur un lit d'oignons revenu à la crème. On agrémentera le tout avec un peu de brocoli cuit à la vapeur. Pour la préparation de cette recette, rien de plus simple. Lancez la cuisson de votre saucisse. Pendant ce temps, découpez les oignons en petits cubes, faites-les revenir à la poêle avec un peu de beurre. Ensuite, ajoutez-y des lanières de maroilles, de la crème fraîche, faites bien revenir le tout. Pour les brocolis, faites-les cuire à vapeur. Une fois cuite, sortez la saucisse de l'eau et coupez de généreuses rondelles. Disposez le tout dans une assiette avec les brocolis et nappez les saucisses de la sauce maroilles. Et voilà, bon appétit !